Dis, j'ai quand même une petite question, moi. Mais c'est comme ça, par hasard, hein, ne t'énerve pas. Ne t'imagine pas que j'imagine des trucs. Est-ce que tu parles parfois à ton ex? Non, je demande ça comme ça, par curiosité. Je suis ton copain, j'ai le droit de savoir ce qui te passe par la tête. Et depuis qu'on est ensemble, tu lui as déjà reparlé? Même pas un petit bonjour, rien du tout. Un petit clin d'œil au milieu d'une brocante, non plus. Tu le jures sur ma tête, hein. T'as jamais été voir sur internet ce qu'il était devenu? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, rien. Non, mais ça va, je demande comme ça, par amour et gentillesse. Je veux être sûr que les démons de ton passé ont disparu de ta mémoire, c'est tout. Comment ça, c'était pas un démon? Bien sûr que si c'était un démon, ton ex, c'était le diable incarné. Mais enfin, tu te prends pour qui? Tu vas me dire que c'était un ange, peut-être? Tu l'aimes encore, c'est ça? Si ça tombe, tu sors avec moi pour l'oublier? Je ne suis que la victime d'une relation de transition. Non, je ne râle pas, je suis triste. Je pourrais juste tuer quelqu'un avec une pelle, sans même avoir de pelle. Et quand tu penses à ton ex, c'est un ex en particulier ou c'est tous tes ex en général? Tu n'en sais rien. Mais enfin, comment ça, tu n'en sais rien? C'est pas du tout ce que t'es censé me répondre. Rassure-moi un minimum, nom d'un petit bordel. Si moi je pense à mes ex, si moi je pense à mes ex. Oui et non, oui et non. Enfin oui, enfin non, enfin je ne sais pas. Disons que j'aimerais bien moi penser à mes ex, mais j'en ai pas, ce qui est loin d'être ton cas. Mais quoi? C'est pas de ma faute si t'as eu plus de petits copains que Messi et Ronaldo n'ont eu de ballon d'or. C'est qui Messi et Ronaldo? Pose-moi encore une seule fois cette question et tu deviens mon ex. Bien sûr que non, je ne surveille pas tes anciens copains comme un malade mental. Je sais juste que tu as quitté Thibaut le 2 avril 2015 à 16h31, que Mathieu t'a quitté le 3 mars 2016 en début de soirée avant le cinéma, et que tu as rompu avec Julien le 16 décembre 2017 parce qu'il a embrassé ta meilleure amie. Eh ben voilà, c'est tout ce que je sais, rien de bien flippant. Les informations de base qu'un copain doit savoir. Bon, je connais aussi leurs adresses respectives au cas où je devrais envoyer quelques détraqueurs et un chien à trois têtes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je réagirais si je croisais ton ex? Ben de manière totalement normale et civilisée. Dégage d'ici, petit échec de la vie. Les ex, quel concept à la con. Rien qu'entendre le mot, ça me donne la nausée. Ex, comme dans « excuse-moi, j'ai fait une erreur ». Comme dans « excellent ce qu'on a vécu, mais je ne t'aime plus ». Je trouve qu'on devrait supprimer tous les ex de la Terre. Ou du moins, ceux de ma copine. Qu'est-ce qu'ils sont moches en plus? Ben si, t'avais des goûts de chiottes, je suis désolé. Mais on peut constater que ça a changé. Puisque tu sors maintenant avec quelqu'un de physiquement stabilisé. Faudrait une formule magique, comme dans Harry Potter, pour oublier nos anciennes relations. Toi et moi, c'est terminé. Oubliette! Ni vu ni connu, on n'a rien vu. Dis, j'ai quand même une deuxième petite question. Je peux savoir ce que tu faisais le 4 mai 1998, à 17h? Le goûter d'anniversaire de tes 4 ans. Ben c'est très bien. Je demandais ça comme ça, par respect et empathie. Et il y avait des garçons.